Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un joyeux lundi. Et donc aujourd'hui on va parler d'un festival, l'Oriental Marathon Festival, qui va se dérouler dans pas longtemps du tout, du 13 au 16 mai, au Pasino de la Grande Motte à Montpellier. Parce que il me paraît intéressant d'en parler. Vu l'ampleur en plus de ce festival qui est juste énorme. Personnellement, ça fait un moment que j'aimerais bien, que je voulais tester ce festival et j'avais pas vraiment eu l'occasion. Donc cette année, je vais y aller. C'est Sharon Mesguil qui est l'organisatrice et directrice artistique du festival Oriental Marathon. En sachant que je vais vous mettre un lien en dessous, vous allez avoir toute l'interview de Sharon. Donc elle m'a fait parvenir cette interview pour que je puisse me baser sur ce qu'elle dit afin d'enrichir un peu cette vidéo. C'est en voyageant à travers le monde de la danse orientale qu'elle a l'idée de faire son propre festival. Et en fait son désir c'est vraiment qu'il y ait un brassage culturelle. Depuis 10 ans qu'elle organise des spectacles, elle enseigne et danse partout dans le monde et s'occupe aussi de proposer des costumes magnifiques. Donc je mettrai aussi le lien de l'endroit où elle poste ses photos de tous ses costumes qui sont vraiment magnifiques. D'ailleurs personnellement j'en ai acheté un l'année dernière donc je suis très contente. C'est vraiment un style qui sort un peu de l'ordinaire. Moi j'aime bien en tout cas, donc voilà, c'est un costume doré, je crois que j'ai des photos sur Facebook. Donc pour ce festival, il y a 31 heures de stage avec tous les styles, donc fusion, du dabke, travail sur l'émotion, plein de thèmes différents. Donc les stages, faut le savoir, sont, il me semble, pratiquement tous complets. Donc c'est vraiment impressionnant l'engouement qu'a ce festival et j'ai vraiment hâte d'y participer. Et donc surtout il y a un parterre de stars du milieu, de chorégraphes, d'artistes vraiment que vraiment j'ai hâte de découvrir parce qu'il y en a plein dans le lot que personnellement je ne connais pas. Donc Sahar Samara, Daria Miskevich, Orit Maftir, j'ai du mal à le dire, pardon, Mayodi, Yael Zarka, Hakim, Elena Romazonova. J'espère que j'ai pas trop écorché le nom. Ali Chali et bien sûr Sharon Mesguil. Par rapport au programme, il y a une première partie, la première partie du spectacle du 13 mai, ça va être les élèves de Sharon. Donc elle va avoir 150 élèves quand même sur scène en première partie. Donc ça va durer à peu près 45 minutes. Et après, suivi d'un concours, donc le concours solo professionnel. Elle a sélectionné ces personnes-là durant toute l'année, donc il faut savoir qu'il y a eu 27 candidates sélectionnées sur 180 dans le monde entier. Donc c'est juste impressionnant, Alors pour la petite histoire, moi j'ai demandé à concourir à ce concours. Alors j'avais pas du tout idée qu'il y avait autant de candidatures, donc je suis vraiment ravie, Sharon, que tu m'aies accepté. Merci beaucoup. Vraiment, j'en avais aucune idée. C'est elle qui me l'a dit via message privé que vraiment il y avait beaucoup de candidates et surtout quand on voit, donc parce que j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos de toutes les filles, il y a vraiment un niveau incroyable. Donc c'est assez impressionnant. Il y aura aussi un concours de troupes de danse et apparemment il y a 11 troupes. Donc spectacle très enrichi. 14 mai. Alors là c'est le gros spectacle des professeurs du festival du monde entier. Alors donc tous les grands noms que j'ai cités avant, ça va être juste énorme. Vraiment ça va être, je pense qu'on va en avoir plein les yeux et vraiment j'encourage tout le monde à y aller parce que à mon avis c'est assez rare de voir autant de têtes d'affiche comme ça réunies sur la même scène. Donc vraiment j'encourage à y aller. Donc ensuite, le dimanche 15 mai, il y aura une scène ouverte dont apparemment donc aussi les danseuses sont également sélectionnées, c'est le World Show. Donc elle a choisi un grand métissage, différents types de danseuses, etc. Et a suivi de l'Oriental Disco, donc là ça va être vraiment réunir les professeurs, les stagiaires, le public, afin que tout le monde finisse... une espèce de fête, de soirée sympathique. Et le lundi 16 mai, elle va clôturer donc ce festival par un yoga sur la plage. Donc
ça va être juste, à mon avis, magique. Donc voilà, il faut savoir que par soir, ce qui est juste énorme, il y aurait environ 500 à 600 personnes, enfin ça peut accueillir jusqu'à 500 à 600 personnes, ce qui lui demande énormément de travail. J'imagine même pas le travail que ça doit être, parce que personnellement j'organise mais avec une personne, donc juste Carla, mais là j'imagine même pas le boulot que c'est par rapport au spectacle, etc. Donc franchement, j'encourage tout le monde à y aller parce que ça doit être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et pour soutenir son festival qui est juste énorme, je pense que vraiment d'y aller, c'est la moindre des choses, surtout que vu le spectacle que ça va être, vous allez rien, enfin vous allez tout louper si vous n'y allez pas. Alors après, on a, voilà, dans son interview sur la radio Aviva, elle parle de ses ambitions. Donc ses ambitions, c'est de faire grossir un petit peu ce festival, toujours surprendre, toujours trouver de nouvelles idées. Donc elle a eu l'idée de faire venir pour l'année prochaine un orchestre d'Égypte. Donc pareil, ça va être, je pense, plein de surprises nouvelles pour l'année d'après. Donc se renouveler et voilà, être vraiment dans la nouveauté chaque année afin d'encore plus faire partager sa passion avec tout le monde, avec des gens qui n'y connaissent pas forcément, avec des élèves de partout dans le monde, en France, etc. Et vraiment, je soutiens à fond sa démarche, parce que heureusement qu'il y a des gros festivals comme ça pour qu'il y ait de la visibilité par rapport à notre passion. Donc vraiment, j'encourage à y aller. Pour réserver les places, etc., des spectacles, je vais mettre tous les liens en bas de la vidéo. Alors, par rapport aux sponsors qui la soutiennent, donc je pense que c'est la moindre des choses que je les cite. Donc, il y aura Jean Vallon, qui est un coiffeur, le Spa Zenaya, le Comptoir des Danses, et bien sûr la radio Aviva qui a fait l'interview de Sharon Mesguich. Il y aura aussi pas mal de stands de bijoux, costumes, ceintures, enfin tout un tas de stands au sein du festival où vous pouvez, à mon avis, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous cherchez. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. Vraiment, c'est juste une fois dans l'année et il me tarde de voir ce que ça va donner. Donc ce que je ferai, c'est que, avec son accord bien entendu, je vais faire quelques shootings pendant le festival, quelques prises, un peu ce que je vais voir, etc., pour vous donner un petit compte rendu après ce gros festival. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être juste énorme. Donc voilà, j'espère, Sharon, que tu as aimé cette petite vidéo. Je te fais des bisous et je te souhaite vraiment beaucoup de courage, parce que là, à mon avis, c'est ta dernière ligne droite. Donc vraiment, tu as tout mon soutien, et je pense tout le soutien des gens qui vont voir cette vidéo, parce que vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment énormément de travail. Et vu l'ampleur de ce festival, ne serait-ce que sur la durée, c'est juste incroyable. Donc vraiment... Vraiment, venez voir ces spectacles-là, ça vaut le coup. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao !